Et après, comme je te dis, si t'arrives à l'embêter d'entrée, tu sais que ça gaze vite. Et puis ces mecs-là, ils aiment pas de jouer, ils ont peur de toi. Pour l'instant, ils s'en sortent bien. Jusqu'au jour où ça va passer, et ça peut le faire. Hein. Après, c'est à toi de mettre en place tout ce qui a été bossé avec Simon, avec Chen. Tu sais le faire. Chen a dit, ça s'était très bien passé là, la dernière semaine. Et tu mettais très bien en place. Après, il a dit oui, c'est un entraînement. S'il y a bien un truc à gommer, c'est les premiers démarrages où tu veux aller fort. T'es allé trois fois doucement avec beaucoup d'effets, mais il a bloqué dans mes pieds à chaque fois. Donc t'embête pas. Après, quand le point est lancé, revers, revers, reste revers. S'il y a bien milieu, oui, là tu vas, mais t'embête pas à aller chercher un pivot de fou. Ok ? Allez, mec. Bravo, bien, bien, bien. Allez, grand, c'est bien ça. Bien, 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 bien. Tu vois, forcer à prendre son coup droit, à se décaler, à faire un effort physique, parce que là, revers, il s'en fout, lui, il est sur sa chaise, là. Il n'y a que le bras qui bouge. Si tu vas le chercher là, là, il est obligé de mettre les jambes. Et là, il va être moins fort. Ok ? Allez, mon grand. Allez, allez, montre-moi que t'es capable, là. Allez. Bien, très bien, très bien. Tu vois, si t'arrives à l'emmener là, Là, tu peux vraiment l'emmerder, là. C'est pas grave. Là, ta mise, elle est trop entre deux. Vas-y, je te dis, allonge, je t'emmerde pas. Va chercher ailleurs. Elle est dure. Allez. Ce que tu mets en place, c'est bien. Tu vois, on sent que tu as travaillé, que c'est en train d'être bien assimilé. Mais là, lui, s'il est dans son fauteuil en revers, il loupe pas beaucoup. Tu vois, dès que tu as réussi à changer un petit peu, à écarter un peu plus, ou venir vraiment plus bide côté coup droit. Là, il est beaucoup plus emmerdé. Hein. Sur le deuxième set, où, ouais, t'as joué que dans le revers, il a pas loupé une, t'as massacré. Les deux premiers, le premier et le dernier, il y a la place. Il y a un fossé entre les meilleurs mondiaux et les 15, 16, 17, 18, 20 mondiaux. Bah, ça dépend, on va dire que ça dépend des profils, mais ouais, il y a quand même. En fait, tu as toujours l'impression que tu peux gagner, tu peux faire un peu mieux à chaque fois. Mais quand ça arrive à 9-9, bah, bizarrement, le mec joue un peu mieux. Donc, c'est, de toute façon, c'est souvent comme ça. Alors, le petit écart entre les bons et les très très bons, c'est souvent un petit détail et une petite remise un peu mieux jouée sur un moment clé. Et là ça se ressent. Là, sur le premier, il est pas loin. Et là, 2-3 erreurs de démarrage, 2-3 mauvais choix qui le mettent dedans. Alors que sur le set, il joue très bien. Et sur le dernier set, c'est un peu pareil, une balle qui sort un petit peu à 8-7. Bon, c'est pas une mauvaise idée, mais elle est pas évidente à jouer. Est-ce que juste la remettre sur la table et faire jouer l'adversaire, c'est peut-être pas la meilleure solution, je sais pas. Il y a toujours des petits détails à régler. Mais sur le bon chemin, en tout cas. C'est la lumière, cette salle. En forme, pour performer. C'est l'objectif.
t'es préparé à cette compétition ? Très bien me préparer physiquement, mentalement, techniquement, aussi calmement. Voilà. Tu fais quelque chose de spécial avant une compétition ? Je fais de la sophrologie, vraiment pour me calmer, pour me concentrer, voilà, sur moi dans ma bulle et voilà. Plus encore avant une grosse compétition ? Ouais, plus qu'avant, ouais. Plus que une grosse, ouais. La lacrosse, plus que des petites compétitions. Ça t'apporte vraiment ? Ouais, ça m'apporte. Le toit au Sauvage d'Europe, c'est bien joué, je suis content. Besoin d'être calme, exactement, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? On peut perdre des points facilement, voilà. Mais il faut se concentrer, il faut rester calme. C'est du stress ou c'est parce que tu t'éparpilles dans ta tête ? Un peu stress et un peu éparpillé dans ma tête, mais ça va. Là, il faut gagner des points. Il faut gagner des points, ouais. Parce que là, t'es redescendu un petit peu au classement. 16e mondial. T'es 16e mondial. Ouais. Il va falloir... Faut gagner. J'ai une bonne poule pour sortir du poule, c'est l'objectif. Bon, il y a des bons joueurs. Il y a en tout cas le numéro 1 mondial qui est présent. Ouais, il y a Cuesta, je joue Costa, le numéro 7, là, en poule. Après, numéro 12, Kato au Japon. Ouais. T'as déjà ton planning là, des prochaines compétitions ou on fait au coup par coup, petit à petit, comment ça se passe ? Bah là, on sait que là, c'est la fin de compétition du 2023 et après, on sait le calendrier du 2024. On cherche la notion de plaisir, même si on pense avant tout à gagner des matchs, à gagner des points. Ah oui, c'est important de se faire plaisir. Hein. De jouer. On a une chance ici et après, il faut performer. Voilà. On peut perdre et prendre du plaisir. Ouais, mais moi je préfère gagner, c'est objectif. Hein. Donc ça t'arrive de prendre du plaisir même en perdant ? Ouais, contre des joueurs forts, ouais, mais faut gagner. Quand c'est serré, qu'il y a eu un beau match à la belle. Ouais, mais faut gagner. Ouais, c'est une bonne perte et puis aussi, comme on dit, Timothée, là, à ce moment, il est vraiment progressé. Vraiment progressé. On voit, il y a 4-7, il est tout devant, il mène. Voilà. Et ce moment aussi, voilà, c'est lui de gérer les émotions pour dire, voilà, j'ai pas peur de gagner. Je suis prêt pour gagner. Voilà. C'est une victoire aussi psychologique parce que c'est un joueur qui connaît bien en face. Qui connaît bien. Et surtout, la dernière fois, il est à Lasco, en qualification, en demi-finale, il a perdu 11-9 à la belle. Donc, ils sont très près, voilà, niveau vraiment 50-50. Mais chaque fois, voilà, ils perdent. Voilà. Mais cette fois-ci, bien. C'est un bon perf. En tant que coach, tu es content ? Tu lui reproches quand même des choses ? Ouais, je suis très content, voilà. Parce que il est bien réussite, voilà, la présence au niveau. Mais par contre, il a encore des marches, hein, vraiment des marches pour encore progresser. C'est un bon homme et puis il voulait progresser. Donc maintenant, voilà, on continue. Ouais. Content que ça s'appelle victoire. Content ? Ouais. Au montage, je n'ai rien lancé. Maintenant, à chercher à aller en quart pour gagner pour aller en demi. C'est l'objectif. Mis la balle. Go! Yay!
Ah, je suis content là. Allez, Maxou. Ah, je suis content là. C'est vraiment bien. Je suis content. Tu rentres bien dans le match, tu te sens bien. Ah, ouais. En ligne. Bonjour. 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 En bleu. Tu as le nom et. Ouais, ouais. Et ouais. France. Ouais, ouais, ouais. C'est super. Tout. Merci. J'en sors. Est-ce que tu veux un ramasseur? Non, merci. Lui il tient la balle, il fait rotation, ouais. Il tourne là, il tourne, il fait tourner. Ouais. C'est pas grave, tu fais confiance, tu fais patient, patienter, patient. Ouais. Hein. D'accord. Ouais. Allez, dis-moi. Ouais. Ouais. Allez, on prend, hein. Allez, on prend la chance là. Mmh. Hein, tu sens c'est dur, tu finis pas, tu remets court. Mmh. Tu tapes deux fois, si ça finit pas, tu mets court. Ok. Tu l'as bien gêné et après ici c'est mou et bien là tu vas couper. Ouais. Ok. Ouais. C'est bien les deux là, les deux c'est bien. Ok. Là, ben faut placer la balle, ça c'est remise. Ok. Et derrière on joue hein, il t'aimait bien, derrière on joue. Ouais. Tu vois, tu pousses bien, long, court, varié l'effet. Service. Il voulait que pousser, tu as lifté là. Okay. Bien lifté. Mou que ça. Mou. Ouais. Voilà. Et tu vois, il voulait flipper. Couper. Là couper, très couper. Ouais. Salut. Là, on a travaillé ça, on a travaillé. Hein. Tu te rappelles ou pas? Quand tu t'aimes bien, l'autre il sait couper. Faut pas flipper. Mais t'as toujours un bout de. Ancien de mémoire, tu vois. Tu veux flipper, tu crois que ça marche. Mais non, ça marche pas là, à ce niveau-là. Ça, non. Non, faut tout de suite, on fait une décision là. Une décision, on dit ah non, 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 les anciens de ce petit niveau là, c'est fini là. Quand je t'aimes bien, les gens ils savent très couper. Voilà, donc molle pas, tu fais ça, tu vois. En plus, t'es bico, tu fais mou. Quand il pousse, c'est bon, tu tapes, tu vois. C'est super stratégie, ça. Je suis content de mes résultats, de belles perfs, et c'est bon, très bonne cure pour la suite, pour me qualifier au l'objectif. Tu penses à chaque fois à la suite quand tu joues tes matchs, là, comme aujourd'hui? Ouais, je pense à la suite, comment améliorer, travailler encore plus dur pour être encore plus performant, c'est l'objectif. Qu'est-ce que tu dois améliorer, par exemple? Bah, comme là, je trouve Florian Pelle. De poussette, comment ça couper, je pousse, pas flipper, pas de faute bête, un tout court, démarre à ce revers, voilà. Après. C'est bien joué, après, c'est bien, Florian. Je fais un bon match. Non.